Lundi 13 novembre 2017, merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cette émission Café Débat pour ce premier numéro de la semaine. Vous le savez, Café Débat, c'est cet espace qui est consacré à l'analyse de l'actualité au quotidien, qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Et cette émission qui est aussi diffusée sur notre partenaire de diffusion, libreopinionguinée.com. Et pour ce premier numéro, je reçois comme invité effectivement sur ce plateau Maka Baldé, qui est vice-président chargé des renforcements des capacités des NFD, Nouvelle Force Démocratique, pour parler de la vie de ce parti en Europe, plus précisément en France où il réside, mais ceci le constat qu'il a fait de la vie du parti en venant en Guinée, puisqu'il est en séjour ici, et puis d'autres sujets d'actualité évidemment sur le plan politique, économique et social. Nous en parlerons avec lui dans ce numéro de Café Débat. Maka Baldé, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Bien, merci beaucoup Amadou Houry, et merci à tous les téléspectateurs de Gangan. Alors donc aujourd'hui, on s'intéresse à votre casquette de politicien, donc de vice-président des NFD. Vous êtes présent en Guinée. D'abord, c'est quoi les motifs, les raisons de votre séjour actuellement en Guinée, à Conakry? Bon, avant tout d'abord, c'est venir voir les parents, venir voir ma famille politique et constater aussi sur le terrain l'évolution de la gouvernance du professeur Alpha Condé. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on le critique du côté de l'étranger, mais quand on est en Guinée, on réalise un peu plus ce qui se passe sur le terrain, vous comprenez, et voir aussi comment le parti fonctionne ici, et comment les Guinéens se démerdent comme ils le peuvent, puisque bon, la majeure partie de nos concitoyens aujourd'hui tire le diable par la queue. Donc c'est toutes ces choses qui m'ont poussé à venir en Guinée, et rencontrer les compatriotes, animer des émissions, participer à des débats, animer des assemblées générales au niveau de notre parti, les NFD, les Nouvelles Forces Démocratiques, et puis faire des prises de contact avec des amis virtuels sur le web, tels que vous et plusieurs personnalités. Absolument. Que j'échange régulièrement, mais qu'on ne s'est jamais retrouvé. C'est un plaisir. Bien. Étant donné que vous êtes donc en Guinée, vous vivez l'actualité politique du pays, notamment l'actualité liée à votre parti, les NFD. Donc avant qu'on ne parle de ce sujet sur Conakry, parlons d'abord de l'implantation des NFD à l'extérieur, l'implantation des NFD en France. Parce que vous, en tant que vice-président des NFD chargé des renforcements des capacités, vous résidez en France. Alors comment les NFD donc se portent en France plus largement? Dans la région, en Europe, la région parisienne. Bon, les NFD se portent très bien du côté de la France. C'est un parti qui s'est implanté un peu partout à travers le pays, et à travers l'Europe, à travers l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons des fédérations partout dans le monde, presque. Pas presque tous les pays, mais 80% des pays, les NFD sont représentés aujourd'hui. Donc, au niveau de la France, nous avons une fédération qui est très dynamique. Il y a toujours des adhésions puisque les gens sont déçus de la gouvernance actuelle. Et il y a d'autres aussi qui sont déçus de certains leaders politiques par rapport à certaines prises de position. Donc aujourd'hui, le NFD est en train de s'installer confortablement à travers l'Europe, à travers l'Afrique. Et nous sommes en train de travailler sur un projet de société qui est très costaud pour la Guinée. Pour les échéances futures, c'est-à-dire celui de législative, celui de communal, celui de la présidentielle de 2020. Bien, au sein de la diaspora guinéenne à l'extérieur, qui prennent part activement à la vie politique du pays en votant, en période électorale par exemple, qui participent à des débats politiques, est-ce qu'on peut dire que l'NFD compte un petit peu aujourd'hui, quand on sait que traditionnellement le parti qui a plus de voix, plus de militants à l'extérieur, au vu de l'expérience politique électorale qu'on a connue, c'est l'UFDG et suivi de du RPG. À certains endroits, bien entendu, la pyramide se renverse, c'est le RPG, après c'est l'UFDG. Alors comment on peut dire aujourd'hui que les NFD se portent bien à l'extérieur, les NFD ont plus de militants à l'extérieur? Est-ce que vos militants à l'extérieur se résument à vos bureaux exécutif en France, par exemple? Je n'ai pas dit que les NFD ont plus de militants que les autres partis. Oui. J'ai dit que les NFD
sont en train de s'implanter. Oui, parce que vous dites que... Il y a une dynamique qui est enclenchée, parce que les gens sont décidés, ce que je suis en train de vous dire. Oui. Aujourd'hui, les partis politiques dont vous citez les noms, le RPG, l'IFDG, le RPG déjà, ça fait 7 ans de gouvernance, et vous connaissez déjà le résultat. On en parlait tout à l'heure. Nos concitoyens, aujourd'hui, ils sont déçus de cette gouvernance d'Alpha Condé. Donc, ils veulent le changement. Donc, vous n'êtes pas en train de me dire que au sein de la diaspora guinéenne, en France, par exemple, il y a des militants qui quittent le RPG pour les NFD? Bien sûr, il y a des militants qui quittent le RPG pour les NFD. Ça, c'est souvent. Il y a des gens même qui quittent l'IFDG ou d'autres partis, bien sûr, pour les NFD. Mais nous, on ne fait pas assez de bruit pour dire, ah, on a telle personne qui a adhéré. Nous, c'est un travail de fond que nous sommes en train de réaliser au sein des NFD. Depuis des années, on a fait une retraite, on a fait des congrès, on fait régulièrement des rencontres. Notamment en Belgique. En Belgique, oui, que ce soit en Belgique, en Allemagne, on en a eu. On a été invité par des sénateurs. Tout récemment, le président, il était parti, il a assisté à plusieurs rencontres avec des maires, etc., du côté de la France. On n'a pas fait de communiqué dessus, on n'a pas fait de bruit. Puisque nous, ce qui compte pour nous, c'est le résultat, vous comprenez? Bien. C'est pas dire que tel a rencontré tel aujourd'hui, tel a fait ceci, tel a fait cela. Nous, on est en train de faire un travail de fond, en train d'expliquer à nos compatriotes comment nous pourrons changer la donne en Guinée. Puisque aujourd'hui, c'est cette question qu'il faut se poser. Quel est le parti qui est capable de diviser ce pays, qui est capable de le redresser par rapport à la malgouvernance au système? Justement, quel est le discours que vous portez devant les Guinéens de l'étranger, par exemple les Guinéens de la France, de la Belgique, d'Allemagne, bref de l'Europe, pour dire qu'ils doivent quitter Alpha Condé ou Sélou Dalein Diallo de l'UFDG pour venir au NFD. Pour quelle expérience politique de Mouktar Diallo? Ce n'est pas une question d'expérience. Ce n'est pas une question pour quel bilan des NFD pouvez convaincre les gens en Europe pour venir dans votre parti? Je vous explique. C'est une question de bonne gouvernance. Vous-même, médias, vous avez besoin d'une bonne gouvernance pour exister. Vous avez besoin d'une démocratie. Donc, les citoyens guinéens aujourd'hui qui vivent du côté de l'extérieur, ils savent ce que c'est la démocratie. Bien. C'est ceux qui sont peut-être ici qui entendent parler de démocratie, alors qu'ils ne savent même pas c'est quoi la démocratie en réel. La démocratie, presque, elle n'existe presque pas en Guinée. Elle existe, mais elle est un peu piétinée, vous comprenez? On l'étouffe, vous comprenez? Les Guinéens, ils savent aujourd'hui que ces gens qui se réclament des personnes neuves ou des personnes qui peuvent changer la situation, ne le sont pas. Vous comprenez? Même s'ils vont arriver au pouvoir, ou bien ceux qui sont au pouvoir, ils ne pourront rien faire pour cette population. Donc, ils ont fait une prise de conscience et ils ont misé sur la nouvelle génération que nous sommes. Bien. C'est-à-dire la nouvelle génération de nouvelles technologies. Vous ne pouvez pas quand même mettre un président, nous sommes au 21e siècle, un président qui ne peut pas consulter son mail, qui ne peut pas ouvrir un ordinateur, qui ne connaît pas de logiciel, qui ne peut rien faire, qui fait tout sur papier. Ça, vous parlez d'Alpha Condé. Alpha Condé et les autres, il n'est pas le seul. La majeure partie des grands partis ici, des grands leaders, qui se réclament de leaders, c'est des gens qui ne savent même pas manipuler réellement un ordinateur. Qui vous dit que celui-là ne sait pas manipuler un ordinateur? Je n'ai pas parlé de nom. Vous avez parlé des grands partis? J'ai dit des grands partis, c'est la majeure partie. Celui d'aller à la tête d'un grand parti. Est-ce que vous voulez dire que Sélou Dalein... Vous dire, nous sommes à la mondialisation. Aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie. Vous avez vu le cas de la France. Macron, il est venu, il a tout raclé et il est parti de rien. Bien. Aujourd'hui, en train de redresser le pays. Vous avez vu le cas de l'Autriche. Vous avez vu plusieurs pays qui se débarrassent de ces vieux démons, vous comprenez? Bien. Qui optent pour la nouvelle génération, pour une prise de conscience, pour pouvoir redresser les choses. Donc, parlons des NFD en France. Oui. Parce que vous y êtes, c'est là que vous résidez. Et en tant que vice-président des NFD, une fois encore, par quel signe on peut sentir, on peut comprendre la vivacité de votre parti à l'extérieur, que votre parti est en train de gagner le cœur ou les cœurs des Guinéens à l'étranger? Quand je prends le RPG, un parti au pouvoir, il y a des fédérations qui font des assemblées régulières à l'extérieur, qui font des réunions, des débats, qui font sentir que ces partis sont vivants à l'extérieur. Non. Vous avez l'UFDG aussi qui a des fédérations très très dynamiques en Europe et ailleurs. Je suis entièrement d'accord. Par quel signe les NFD sont présents? Je vais juste vous dire, en Europe, il n'y a aucun parti politique qui fait des assemblées générales régulières en Europe. Celui qui vous a dit ça, c'est faux. Il vous a menti. Il y a quand même des réunions. Je veux dire périodiques. Voilà, périodiques. Voilà. Périodiques, je suis d'accord. Parce que l'NFD le fait. Par exemple, on peut dire, par exemple, chaque mois, on se retrouve une fois
D'accord. Vous n'oubliez pas que les gens, il y a des gens qui travaillent les samedis et absolument, même le dimanche. Je suis d'accord, c'est pas le même système qu'en Afrique. On ne peut pas se retrouver tous les week-ends ou tous les jours. Les gens, ils travaillent, d'accord. Ils ont des obligations. La politique, on se retrouve plus tard pour pouvoir donner une date et après on se retrouve pour voir donc la situation. Les NFD aussi. Les NFD aussi, dans le même contexte que tous les autres partis par rapport aux réunions. Mais par rapport aux stratégies pour que les choses changent, c'est là que nous dépassons les autres. Parce que nous, on est en train de travailler pour que si nous venons au pouvoir, qu'on applique notre projet de société, on n'inventera absolument rien. Bien. C'est-à-dire même une virgule, on ne changera pas. Bien, donc les NFD se portent bien en France. Très bien, même pas en France, en Europe, partout dans le monde. Bien, voilà. Et maintenant vous êtes arrivé à Conakry, politiquement, comment vous avez fait le constat de la vie du parti ici à l'Inter, sur le territoire? Parce qu'en Guinée, on a l'impression que les NFD n'est pas présent sur le terrain en tant que parti. Les NFD n'est pas aussi vivant, dynamique sur le terrain, par le fait d'ailleurs qu'on entend de moins en moins la voix de son président dans les débats, dans le débat politique. Depuis que l'UFDG a dit lâcher tous ses partis qui l'ont accompagné, on a l'impression que le parti est devenu un peu morose. Quel est le constat que vous avez fait en venant à Conakry de la vie de votre parti? Aujourd'hui, moi je suis vice-président, je fais partie des premières personnalités de ce parti. Il ne s'agit pas d'une question de personne, c'est une question d'ensemble et d'idées. Au niveau des NFD, nous fonctionnons de cette manière. Ce n'est pas le président qu'on regarde ni le vice-président, c'est le résultat que le parti est en train de faire. C'est-à-dire, on se retrouve, on travaille sur un projet, on le valide. Oui. Même si c'est le président qui décide de le valider ou quelqu'un, c'est pas comme ça, comme les autres partis, le président il veut dire, ah ouais, c'est ce que je veux et les autres ils suivent. Non, nous, il y a un débat interne, un débat de fond. Comment vous avez trouvé que les NFD se portent? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que, vous avez dit que le parti presque n'existe pas parce que le président, vous ne le voyez pas. C'est cette réponse que je suis en train de vous apporter pour vous dire que le parti ne se résume pas au président. Je suis d'accord. Vice-président, je communique, mais il y a d'autres qui communiquent, on tient nos assemblées. Mais on ne sent pas le parti en général, on voilà, ne sent pas non, les NFD. On tient. Le samedi prochain, je vous invite à l'Assemblée générale des NFD à Hamdallah, vous comprenez, sur la route Le Prince. Vous allez venir, je vais animer l'Assemblée générale, le président il est à l'étranger, il va revenir peut-être d'ici là, et on va animer ensemble. Tous les week-ends, il y a une Assemblée générale au niveau des NFD. Mais vu que c'est souvent, c'est pas les médias ne se déplacent pas souvent, donc il y a moins de bruit, puisque quand les médias ne viennent pas pour amplifier les discours, les trucs, bon, les gens, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'Assemblée générale. Alors que tous les samedis, il y a une assemblée générale au sein. Et tous les jours, il y a une permanence régulière au sein de l'administration, au sein du siège. Si vous partez là-bas, même jusqu'à 20h, 21h, vous trouvez quelqu'un qui est là, qui va vous répondre. Vous comprenez? Ce n'est pas comme les autres partis. Quand vous venez, et quand le leader est là, les bureaux sont ouverts. Quand le leader n'est pas là, il n'y a plus personne et personne ne peut répondre. Nous, ce n'est pas comme ça. Vous venez, vous trouvez l'administrateur du siège, et vous posez des questions, il vous répond. Vous comprenez? C'est comme ça qu'un parti doit fonctionner. Le parti, il se porte très bien ici. Et nous sommes en train de faire un travail de terrain, un travail de fond. Et à la longue, les Guinéens verront que le changement, c'est avec nous, c'est la nouvelle génération. Avec de nouvelles idées, de nouveaux projets pour la Guinée, puisqu'on ne peut pas prendre un projet de 2010 et l'appliquer en 2017. Le monde est en train d'évoluer. Même les grands partis du côté de l'extérieur qui ont des projets, chaque fois ils modifient le projet en fonction des contextes. Oui, c'est naturel, il faut adapter son... Et en Guinée ici, le projet que vous avez en 2015 ou en 2010, c'est le même projet que vous continuez pendant des années, vous ne modifiez rien. Ah, moi je vais faire ça, je vais faire ça, alors que les contextes ont changé. Bien. Alors donc, vous avez trouvé un parti NFD bien important, dynamique, à Conakry, en Guinée, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. À l'intérieur, parce que j'étais à l'intérieur du pays, j'ai rencontré quelques responsables de NFD. Le parti se porte très bien. Bien. Et par rapport aux élections, vous allez les savoir, parce que vous allez voir le score que nous allons faire. Nous en parlons d'ailleurs tout à l'heure en parlant d'élections. Est-ce que les NFD se sentent si fort au point d'aller à ces élections communales de façon individuelle, ou est-ce qu'il y aura des alliances? Est-ce que le fait que l'UFDG vous a lâché n'ébranle pas le dynamisme de l'NFD? On va parler de tout ça tout à l'heure, mais dans la deuxième partie de cette émission Café Débat, juste après la pause thé, on se retrouve pour continuer le débat. Dieu nous
Développement dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels, avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux quatre coins de la Guinée. Contact Cancan Corossa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement le feuille soigneusement sélectionné en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, comme vous pouvez le constater, qui reçoit comme invité du jour pour ce premier numéro de la semaine Maka Baldé, ici sur ce plateau, qui est vice-président chargé des renforcements de capacité des NFD, Nouvelles Forces démocratiques. Il est donc résident du côté de la France, donc en séjour en Guinée. On a parlé, comme vous l'avez constaté en début d'émission, de la vie de ce parti en France et plus largement en Europe. Et la conclusion pour lui, c'est que les NFD se portent très bien dans la zone européenne. Et il a trouvé aussi un parti vivant ici en Guinée, qui est bien implanté à l'intérieur du pays, puisqu'il est allé aussi à l'intérieur du pays. Oui. Et je rappelle que cette émission, justement, est diffusée sur Libre Opinion Guinée, dont il est d'ailleurs l'administrateur général. Ça, c'est une autre casquette à laquelle on va s'intéresser dans une autre émission, la casquette de Maka Baldé, journaliste. Oui. Alors, restons un peu en politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez trouvé un parti qui se porte bien, oui, qui tient des assemblées tous les samedis, oui, qui est représenté à l'intérieur du pays. Mais il y a une réalité, c'est que les NFD, c'est un parti dont c'est un seul député d'ailleurs, dont le député a été élu sous la bannière de l'UFDG. L'UFDG qui à un moment donné... Dans le cadre d'une alliance. Bien sûr, dans le cadre d'une alliance. Voilà. Hein, mais vous n'avez eu qu'un seul député, c'est Moutar Diallo. Mm. Et donc, entre-temps, vous avez l'UFDG qui était votre ancien partenaire. Il y a eu ce démariage entre vous. Donc désormais, l'UFDG dit de ne plus être prêt à supporter des partis comme les NFD, comme le parti de Aboubacar Sylla. Est-ce que vous vous sentez lâché? Parce que nous arrivons aux élections locales. D'abord, parlons des élections. Est-ce que les NFD se sentent prêts pour aller aux élections locales à venir? Les NFD sont prêts pour aller aux élections locales, même si c'est demain, si les conditions de transparence sont réunies. Vous allez présenter des candidats individuels. Bien sûr, on a des candidats qui sont déjà prêts, on a des communes qui sont visées, etc. Et si vous dites que les NFD est lassé, les NFD n'est pas lassé. Les NFD est membre fondateur de l'opposition républicaine. Hein. Nous sommes membres fondateurs de l'opposition républicaine. Non, j'ai dit lassé par l'UFDG. Non, mais c'est ce que je vous dis. On est dans l'opposition, on n'est pas lassé par l'UFDG. L'UFDG est un parti démocratique qui veut le pouvoir. Les NFD est un parti démocratique qui veut le pouvoir, qui veut exercer la fonction de président. Nous, notre stratégie aujourd'hui, c'est comment combattre ce régime moribond qui est en place, qui en manque de résultats. Vous comprenez? Et comment changer la donne?
comment accéder à la magistrature suprême pour changer la donne. C'est notre combat. Nous, notre combat, ce n'est pas de dire est-ce que l'IFDG veut encore travailler avec Ouben. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ouben être dans un statut de chef de file, dans un cabinet de chef de file. Ça, ce n'est pas notre ambition. Notre ambition, c'est comment gouverner ce pays. Et nous sommes sur le bon sens. En réalité, est-ce que vous n'avez pas été affecté par ces deux sujets? Pas le du fait tout. Que l'IFDG a dit désormais, plus d'alliance avec vous. Et puis, là, vous avez parlé de la constitution du cabinet, la constitution du cabinet du chef de file de l'opposition. Oui, vous n'êtes pas encore représenté dans ce cabinet. Ces deux actions, est-ce que ça n'a pas affecté? Ça n'engage que est-ce que ça n'a pas affecté notre combat? Notre combat n'est pas celui d'appartenir à un cabinet, vous comprenez, qui n'apportera absolument rien sur le débat politique ou sur le changement par rapport à la vie des citoyens guinéens. Notre combat, c'est celui d'accéder aux commandes de ce pays pour changer la donne. Bien. Ce pays est malade. Ce n'est pas d'appartenir à un cabinet ou bien de faire une alliance. Notre combat, ce n'est pas d'être dire un patou ou un député. Notre combat, c'est d'être majoritaire à l'Assemblée nationale, d'être le futur président. Et comment vous pouvez réaliser ça devant un parti comme l'URPG? C'est par rapport à notre projet de société. Devant un parti comme l'URPG. Vous pouvez être aujourd'hui le plus grand parti du monde et demain être le dernier. C'est le cas du PIP aujourd'hui, c'est le cas du PS presque en France, qui presque n'existe plus. C'est l'échiquier politique, quand même, qui se bat tant que le peut. Mais ce que je vais vous dire, comprenez que la politique est une question de temps. Quand les gens, la conscience des gens se réveille, on dit j'ai beaucoup. Faire des trucs derrière Ouri ou Ganga, ça n'a pas donné. Il faut que je change parce que tu ne peux pas te cogner la tête une fois, deux fois, trois fois sur un chemin et dire que toi tu vas forcer alors qu'il y a d'autres alternatives à côté. Il faut essayer ces alternatives. Peut-être là-bas, quand vous allez, vous tapez une fois, ça rentre. Ce que je vais vous dire, nous au NFD, on est serein. Notre combat, ce n'est pas un combat contre l'IFDG. C'est un combat contre ce système. Ah, pourtant, tout ce qui appartient. Non. Est-ce que vous l'avez appris? Non. Alors, est-ce que vous avez appris ça avec, depuis la France, que des militants des NFD et des militants de l'IFDG se sont tapés ici, se sont bottés ici par rapport à la commune de Ratouma. Bien entendu. Parce qu'on a une dynamique au niveau de cette commune. Donc vous menez un combat contre l'IFDG. Au niveau de cette commune. Un combat entre l'NFD et l'IFDG. Le combat qui existe entre NFD et l'IFD, c'est le combat d'idées, le combat de par rapport au projet des sociétés. Il s'est transporté dans la rue à un moment donné. Parce que nous avons un projet qui a effrayé l'IFDG par rapport à la commune de Ratouma. On a un candidat qui est mieux placé. Ou parce que l'IFDG a dit qu'il n'y a plus d'alliance désormais avec les NFD. On a un candidat qui est Mouktar Diallo, hélas Mouktar Diallo, qui va être le prochain maire de Ratouma, qui peut changer la donne par rapport au projet. Par rapport au projet qu'on a fait pour Ratouma, il n'y a aucun leader qui a ses projets par rapport à Ratouma. Bien. Donc nous sommes sereins. Nous avons même, dans notre projet, proposé des cartes vitales pour les habitants de Ratouma. Bien. Il y a plein de choses qu'on a proposées. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par carte vitale? C'est par rapport aux prises en charge pour les soins. Aujourd'hui, en Guinée, les gens sont malades parce qu'il y a la pollution, il y a les saletés, il y a l'instabilité qui étaient sur les autoroutes. Partout où vous partez, ça pue, vous comprenez? Les gens sont malades quotidiennement, ils mangent dans ça, ils dorment dans ça, vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait une prise en charge pour certaines catégories de personnes qui ne travaillent pas, qui ne sont pas employées. Vous comprenez? Et ça, NFD va faire en sorte que ceux qui vont tomber malades dans la commune de Ratouma, qui n'ont pas de possibilité de se soigner, on ne peut pas les abandonner, ce sont des citoyens de notre commune. Nous allons prendre, dans les taxes que nous allons recouvrir au niveau de cette commune, créer un fonds pour venir en aide par rapport à ces gens-là. Faire donc une carte vitale avec photo par rapport aux prises en charge. La une sorte de couverture sociale. Bien sûr. Mais on va dire une sorte de couverture. Oui. Alors donc, les NFD sont prêts pour aller à ces élections du 4 février 2018. Sans alliance peut-être. Nous sommes prêts à aller, mais moi personnellement, je ne crois pas qu'il y aura élection en février. Pourquoi? Parce que sur le terrain, rien n'existe. La CENI est en train de travailler là. La CENI est en train de travailler, mais quel travail vous me parlez? Quel est le travail que la CENI vraiment est en train de faire? Il y a ce qu'on appelle actuellement. Vous rassure qu'il y aura une élection. Oui. Il y a ce qu'on appelle actuellement la remobilisation des démembrements de la CENI qui a été lancée déjà, des missions qui ont été envoyées à l'intérieur pour remettre sur pied de travail les différents démembrements de la CENI. Et à côté de cela, il y a en même temps. Le document d'appel d'offres de la société qui doit donc revoir le fichier électoral. Nous sommes en fin novembre là bientôt.
On a dit février, le 4 février. Le 4 février. Il n'y aura pas d'élection le 4 février. Je n'y crois pas personnellement. Ok. Je ne crois pas. Après le 4, on va en parler. De toute façon, si ça a lieu, le parti, votre parti est prêt à aller sans alliance. On est prêt, même pas par rapport aux alliances. On est en train de travailler. Il peut y avoir des alliances, puisque nous avons déjà une alliance qu'on a créée, une alliance politique électorale qui s'appelle le Front pour l'alternance démocratique. Le FAD. Le FAD. Donc, on va se retrouver, voir est-ce qu'au niveau de Ratomacom, on dit qu'on est mieux positionné, les autres peuvent nous soutenir puisqu'ils ont aussi des militants dans cette commune, etc., etc. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que notre ambition, c'est pas de créer tout le temps des alliances, c'est d'aller affronter les urnes, aller faire la campagne. J'ose votre capacité. J'ose notre capacité, c'est le terrain électoral, vous comprenez. Et auparavant, je ne vais pas revenir sur ce débat, mais les NFD aujourd'hui se portent très bien, et même en 2020, si tout se passe bien, on espère qu'on peut gagner la présidentielle. Eh bien, c'est un rêve. La surprise. C'est un rêve fou, hein, oui. Devant l'UFDG, devant le RPG, que de penser que vous la remporterez. Ils verront le pouvoir passer devant eux. Bien, on verra bien. Pour l'instant, il y a le 4 février 2018 qui attend, il y a les législatives de 2018 qui attendent avant la présidentielle. On va donc évoluer dans le débat et parler cette fois-ci de la gouvernance Alpha Condé. Je l'ai dit tout à l'heure, les NFD, on ne les sent pas trop dans le débat, mais vous, depuis la France, depuis la diaspora, et vous venez sur le terrain pour voir la réalité en face, qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance Alpha Condé aujourd'hui? Quand on écoute par exemple la ministre de l'économie, Maladou Kaba, elle pense que les signaux sont au vert, les indicateurs de développement sont au vert, on a en vue une croissance de 6, nous sommes à 6,7% de croissance en ce moment, et nous avons en vue une croissance à 2 chiffres, donc il y a de l'espoir. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette gouvernance d'Alpha Condé, globalement? Moi, la gouvernance d'Alpha Condé, je pense que ça a été une gouvernance très médiocre, très nul. On parle de croissance. Quand on parle de croissance, quand le pays, tout va bien dans le pays, c'est la population qui le ressent. Ce n'est pas la présidence, ce n'est pas à Sékou Touré ou dans les ministères qu'on ressent vraiment que tout va bien dans un pays. C'est par rapport aux citoyens lambda, ceux qui sont là, qui n'ont pas de travail. C'est au niveau des infrastructures routières, hein, au niveau même des écoles. Vous allez dans certains villages, les élèves sont assis par terre. Hein, ils sont assis à des centaines dans une classe où il n'y a même pas de professeurs. C'est le constat que vous avez fait personnellement sur le terrain? Bien sûr, parce que ça ne va pas. On ne peut pas dire qu'il y a une croissance qui est là alors que la population ne le ressent pas. Où est-ce partie cette croissance alors? Ou bien vous ressentez une amélioration par rapport aux conditions de vie des Guinéens, ou en tant que journaliste? Est-ce que vous l'avez ressenti? Non, je parle de votre expérience, c'est pas moi qui réponds aux questions sur ce plateau. Maintenant, moi je vous dis, parce que vous êtes aussi citoyen, vous êtes citoyen avant d'être journaliste. Vous avez deux casquettes, citoyen, lambda et journaliste. Intéressons-nous à vous d'abord, en tant que politique, qu'est-ce que vous constatez? Je constate que c'est un échec. On nous dit que la Guinée vient d'être classée dans le top 5 des pays réformateurs. Dans quelles conditions? En matière de mines, des réformes minières. Ça, c'est une performance. Parce que la gouvernance d'Alpha Condé ne base que sur les mines. Alors qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent bien développer. Oui, mais Alpha Condé personnellement a toujours dit, si vous l'avez écouté, c'est l'agriculture qui va développer. Alpha Condé a même retoqué. C'est les PME. Oui, mais je vous rappelle. C'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Quand on facilite aux Guinéens, les jeunes talents, de créer des start-up, c'est-à-dire de faire en sorte que vous créez facilement votre entreprise. Oui, mais que vous trouvez le président de l'empreinte. Alpha Condé a créé un fonds pour ça. Il y a combien de jeunes qui ont bénéficié de ça? 100 et quelques milliards pour les femmes et les jeunes. Il y a combien de personnes qui ont bénéficié de ça? Et quels sont les critères de sélection? Ça dépend de comment ils ont... Quels sont les critères de sélection? Est-ce que vous le savez? Oui. Ce n'est même pas Alpha Condé de créer ça. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas mettre sa main partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir le président partout. On parle de sa gouvernance. Oui, mais c'est sa gouvernance. Parce que c'est lui-même que j'ai vu parler de la MUFA. Je ne sais pas parler de quoi et quoi. C'est lui-même qui vient, qui se présente. Oui, j'ai créé ça pour les femmes. Ce n'est pas le président qui doit tout créer. Le président est là pour contrôler l'action du gouvernement. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, il appelle ce ministre, il dit ça, tu as mal fait, je te sanctionne. Et c'est oui, mais comme quand vous dites qu'il mais a quand c'est le président, tout ce qui est ressources est déversé à la présidente de la République. Et quand vous dites qu'il a résumé
le développement de la Guinée au secteur minier. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas entendu, un moment, lui-même a rétorqué son ministre des Mines une fois à Noum Hôtel, qui disait que, les mines constituent aujourd'hui un peu le secteur primordial qui puisse développer la Guinée. Il a dit non. Le secteur agricole, Alpha Condé lui-même a dit que le secteur agricole alimentaire, à ce niveau-là, est-ce qu'on va l'accuser? Puisque lui-même, il a dit quand même que le secteur agricole doit être développé. Oui, mais quelle est l'action? Attendez, il faut développer l'agro-industrie. Mais c'est Ouri, c'est pas les paroles d'Alpha Condé qu'on regarde, c'est les actes qu'il pose. Aujourd'hui, tous ces problèmes, ces remous qui se vont vers Kamsar, Sangaré, etc., c'est par rapport aux mines. Vous comprenez? Partout où il y a les mines, il y a des problèmes. Parce qu'on ne s'occupe pas des jeunes. On ne s'occupe pas de l'environnement. Après, quand les sociétés viennent, ils font des gros trous, ils s'en vont. Il n'y a pas d'environnement. Il n'y a pas de personnes qui reviennent pour rétablir les choses, pour que les populations puissent encore bénéficier de ces terres. Vous comprenez? Est-ce que Alpha Condé a créé des sociétés ici où vous avez vu des, au moins 1000 engins agricoles, par exemple, les tracteurs et consorts pour venir cultiver? Est-ce qu'il a encouragé l'agriculture? Il n'a pas encouragé l'agriculture. Les campagnes agricoles, mais son ambition, c'est les mines. Parce que là, il y a les gros sous, vous allez à l'extérieur, vous discutez, c'est là-bas que ça se fait. Et c'est ça la réalité. Aujourd'hui, les Guinéens ont besoin d'un changement profond de gouvernance. Vous comprenez? Le système Alpha Condé, sa manière de gouverner, au début, il y avait de l'espoir, mais quand il est venu, les premiers actes qu'il a posés, c'est là-bas qu'il a échoué. Et jusqu'à présent, il s'entoure par des personnes qui ont tous appartenu à ce système. Quand on acquise un système de pouvoir pourrir la situation en Guinée depuis des décennies, et vous-même vous venez en tant que candidat, vous avez un projet de société, et vous n'avez pas appliqué votre projet, vous appelez ces mêmes gens-là, vous vous entourez de ces mêmes personnes, et c'est avec l'expérience de ces personnes-là que vous travaillez, et vous dites que vous avez un projet. Donc vous résumez, en tout cas, le projet de RPG n'a pas été appliqué même à 1%, tout a été inventé. Puisque tout ce qu'il a assis son projet, si vous regardez le projet de société de 2010, il a été élu sur la base de ce projet. Vous comprenez? Rien n'a été respecté sur ça. Tout a été inventé. Par exemple, on peut venir, si on regarde l'humeur des gens ou des choses, on dit voilà ça, on casse, on reprend ça, on fait ça, alors que ce n'est pas un projet. Quand vous n'avez pas un projet, vous ne pouvez rien faire. C'est par rapport à votre projet de société. Donc, ce que vous faites, c'est par rapport à ça que vous devrez fonctionner. Ce que vous faites, est-ce que c'est vous n'avez pas besoin d'inventer les choses. Est-ce que c'est pas du nihilisme que vous faites en disant que tout est rouge? Il y a quand même certains trucs que j'ai vu qui a un peu changé, c'est par rapport aux hôtels. C'est pas Alpha quand même qui a mis de l'argent, mais c'est lui qui a facilité la construction de ces hôtels. Par exemple, je suis parti à Noum. Et je suis parti à Sheraton, j'ai visité quelques hôtels, c'est vraiment bien. Quand tu rentres à certains hôtels, mais quand tu sors de ces hôtels, tu tombes tout de suite dans des caniveaux où la situation routière, c'est la boue. Même devant l'hôtel de Kaloum, à la présidence, c'est des cailloux, c'est la routière est complètement dégradée. Ça, c'est inacceptable. L'État ne doit pas recevoir des bailleurs de fonds dans cette situation. Vous comprenez? Quand vous dites c'est Couturian, c'est le symbole de la Guinée, vous comprenez? C'est là-bas où il y a les grandes décisions, c'est le président. On doit travailler la ville de Kaloum et les villes environnementales. Mais justement, Alpha Condé a un projet là pour Kaloum. 2040, la vision 2040, c'est quand même... Oui, la vision 2040, on attend de voir. Mais ce que je veux vous dire, depuis qu'il était là, construire une route, les routes, quand vous pratiquez la route nationale qu'on a créée, Kindia, Mamoum, vous comprendrez qu'à ce niveau, il n'y a pas eu de progrès, vous voyez. Donc, franchement, il y a beaucoup de situations qui compliquent les choses en Guinée. Le problème de nos routes, le système sanitaire, le système de l'éducation, le système de la sécurité même des personnes de leurs biens, ça pose problème. Et ajouter la corruption et le trafic d'influence qui existe toujours en Guinée, des ATC qui je suis, ça doit disparaître. Donc vous résumez la gouvernance Alpha Condé à rien, à part les hôtels, quoi. Je ne résume pas à part les hôtels. Il y a eu des efforts. Par exemple, sur la scène internationale, il a fait beaucoup d'efforts pour ramener la Guinée sur l'arène politique internationale, c'est-à-dire les rencontres internationales, etc.
Et ça, il a fait de l'effort par rapport aux hôtels, comme je vous ai dit, mais par rapport à l'éducation, par rapport à tout le reste, l'eau, l'électricité est un peu qu'à l'État, mais vous comprendrez avec moi-même, on faisait tout de suite l'émission, vous avez vu qu'à l'État nous a quittés. Donc c'est pour vous dire qu'il faut quand même une amélioration. Donc mais, je vais dire à sa place, est-ce que vous aurez réussi tout ça? Parce qu'Alpha Condé en venant, il l'a dit. Il a trouvé une situation pourrie au dernier degré. Et c'est là où il a dit qu'il a trouvé un pays et non un État. Alpha Condé a dit que c'est bon de critiquer. Attendez, je vais vous dire. C'est bon de critiquer. Les rêves étaient quoi? Mais est-ce que vous auriez pu faire mieux que lui? Alpha Condé a dit, son échec est dit de ce fait que son frère est décédé. Vous comprenez? Malik Condé. Quelqu'un qui a cherché le pouvoir plus de 40 ans. Il n'a d'espoir que sur son frère. C'est un échec. Il y a combien de millions d'habitants? Vous avez un projet à appliquer et vous ne l'avez pas fait seul. Vous avez des cadres au sein de votre parti dont vous portez confiance. C'est avec ces cadres que vous avez élaboré un projet de gouvernance et de redressement de l'économie nationale. Bien. Et si vous dites aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un individu qui n'est presque même pas influent dans votre parti qui est décédé, que c'est à cause de ça que vous avez échoué, vous ne connaissez pas les cadres qui naissent, je vais vous dire tout simplement de démissionner alors. Parce que quand on est dans une mission, on se retrouve dans l'incapacité de gérer conformément à vos promesses, la seule solution pour vous, c'est de quitter tranquillement et vous allez à la retraite. Vous restez là-bas tranquillement, bien, dans le respect. Et vous laissez le pays fonctionner avec d'autres compatriotes, d'autres patriotes qui ont des projets plus costauds. C'est ça aussi la démocratie. En tout cas, il est encore au pouvoir jusqu'en 2020 et il a bien des projets à dérouler. Les NFD aujourd'hui ont quelle expérience de gestion pour pouvoir convaincre que une fois aux affaires ou à telle responsabilité, votre parti aurait pu faire mieux. Quand on parle de Ratoma, par exemple, où vous avez un des vôtres dans la délégation spéciale de Ratoma, même si c'est un seul, est-ce que vous avez tant décrié la gestion de cette commune de Ratoma par la délégation spéciale de Ratoma, comme vous décriez aujourd'hui la gestion du pays par Alpha Condé? De toute façon, la commune de Ratoma n'est pas bien gérée. Il faut le reconnaître. La délégation spéciale qui est en place là ne fonctionne pas. Bien. Parce que vous voyez les ordures. Sur la longueur de nos routes, vous trouvez que les gens déposent des sachets partout. Il n'y a pas de camions pour ramasser. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas une police de proximité pour permettre aux citoyens d'être en sécurité. Vous comprendrez, souvent il y a des attaques en main armée, la police, la gendarmerie tarde à venir sur les lieux. Tout ça, on ne peut pas rester dans une ville si vous n'êtes pas protégé. D'abord, la première des choses, c'est la protection citoyenne, la protection civile. Quand vous êtes en difficulté, vos responsables doivent agir le plus vite possible pour vous sauver la vie. Parce que quand vous n'êtes pas en vie, après le reste, vous ne savez pas ce qui va se passer. Bien. Et quand on est en vie, qu'on peut participer à des décisions ou savoir ce qui va se passer. Donc, de ce point de vue, la commune de Ratoma est mal gérée. Mais je rappelle que le responsable de la délégation spéciale est de l'IFDZ. Et nous, au NFD, on a un seul conseiller communal qui n'est pas du tout vice-président, premier vice-président, ni deuxième vice-président. Bien. Donc, ça veut dire que ce n'est pas lui qui va prendre des décisions. Il participe au conseil, mais ce n'est pas lui. Il peut émerger ses idées, mais s'il n'est pas majoritaire, vous pensez que ça va passer? Ça ne passera pas. C'est la tête qui doit diriger les choses, qui doit imposer les choses qu'on doit faire dans sa commune. Bien. Et les autres, maintenant, ils vont voir si c'est bon, ils vont suivre. S'il y a des idées aussi pertinentes, si c'est vraiment une bonne démocratie, même si vous êtes un simple conseiller communal, si vous aimeriez des idées qui peuvent aider les populations, on doit adhérer. Bien. Vous comprenez? Donc, pour terminer, on va changer de sujet, parler de médias, de presse. Et ça aussi, c'est une des casquettes que vous partagez avec nous, la casquette d'acteur du monde des médias. Avant de parler de cette nouvelle plateforme que vous voulez lancer dans le monde médiatique, parlons d'abord de la semaine noire que les médias ont traversée et qui a abouti à la la violence exercée sur les journalistes, à la suspension de la radio Espace, aux avertissements à l'endroit de Évasion Guinée et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez donc pensé de ce sujet, de cette situation que la presse a traversée? D'ailleurs, vous étiez déjà... C'est une situation catastrophique et dangereuse parce qu'il n'y a pas de démocratie sans la liberté d'expression. La presse est le quatrième pouvoir. La presse a un rôle
centrale à jouer ici en Guinée, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Bien. La presse doit être respectée, vous comprenez, et la presse aussi doit passer les informations conformément à la déontologie, etc., etc. Donc on ne doit pas modifier les informations puisqu'on est d'un tel camp ou d'un tel camp. Mais ce que j'ai vu ici, c'est une tentative d'intimider la presse. Et la presse guinéenne ne doit pas se laisser faire. On doit se donner la main pour combattre ce système. Parce que si on dit que puisque aujourd'hui c'est Gangan qui a été touché, c'est Espace, etc., demain ça peut être Libre Opinion Guinée, ça peut être la Radio Libre, ça peut être Nostalgie, etc. Donc la presse guinéenne doit créer une structure qui va parler au nom de l'ensemble de la presse. Bien. Quand il y a des décisions à prendre, on se réunit, on prend des décisions, on peut boycotter même dépasser les informations du gouvernement, si c'est le gouvernement qui est derrière. Parce que la HAC n'est pas aussi indispensable, elle n'est pas aussi au-dessus de la loi. Bien. Elle ne peut pas agir comme elle veut, il faut qu'elle, quand même qu'elle applique la loi, c'est la loi qu'elle doit appliquer, elle ne doit pas suspendre une presse, un organe de presse, puisque celui-ci peut-être a dit quelque chose qui ne la plaît pas, quoi. C'est bien conformant au statut et au règlement. Alors donc, cette fois-ci, parlons de cette structure, de cette plateforme de médias que vous voulez lancer pour enrichir, comment on va dire, le cosmos des médias en Guinée, à partir sans doute de la France. De quoi il s'agit? Bon, j'ai un projet qui est en train d'aboutir. Bon, ça fait plus d'une année qu'on est en train de travailler sur la DECI. Ça s'appelle Boufad. Boufad.com, c'est un site internet international de vente en ligne. C'est comme le Bon Coin en France. Il est présent dans 15 pays, notamment 5 en Europe. La France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis. Du côté de l'Afrique, vous avez la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Togo, le Burkina, le Cameroun, etc. Donc vous avez 10 pays en Afrique. C'est un site d'internet où vous pouvez acheter, vendre, avoir de l'emploi, faire des rencontres, tout ce que vous voulez à travers le monde. Donc bien, le site sera lancé très bientôt. Et je rappelle aussi, nos médias qui sont basés à Paris, nous avons notre studio là-bas. En ce qui concerne la radio Libre Opinion, et les lignes de radio la plus suivie, parce que nous avons juste sur Facebook plus de 500 000 abonnés à travers le monde qui nous suivent quotidiennement. Au niveau de la radio libreopinionguinée.com, vous connaissez, c'est le site. Donc on est en train d'agrandir notre structure, mais l'autre là, ce n'est pas un site d'information, c'est un site d'annonce internationale qui sera bientôt disponible. Dans tous ces pays, nous allons mettre en place des bureaux, bien, des représentants qui vont gérer les choses, parce que c'est une question d'argent aussi, parce qu'il y a des gens qui vont acheter, qui vont vendre, s'ils n'ont pas les possibilités de payer en ligne, ils peuvent payer directement sur le plan local. Quel que soit l'article que vous voulez, voiture, tout ce que vous voulez, terrain, logement, tout ce que vous voulez sur le Bon Coin, tout ce que vous pouvez acheter, vendre tranquillement. Avec donc c'est une autre plateforme comme le Bon Coin que vous allez créer. C'est vrai, le site il est accessible actuellement, mais on n'a pas fini. Mais là, d'ici mon retour, peut-être ça va être fini. On va le lancer sur le plan international. Bien. Même pas seulement en Guinée, mais dans tous ces pays où elle est présente. On va aller, on va faire des tournées, bien, on va la lancer. Et donc je rappelle que cette émission est diffusée, comme je l'ai dit, sur le site Libre Opinion Guinée, dont vous êtes aussi l'administrateur. C'est un site qui véhicule aussi de l'information sur la Guinée et un monde, peu partout dans le monde. Oui. Alors donc, comment vous faites la différence entre, d'abord, comment notre émission se porte en termes de visibilité sur votre site en tant que partenaire, je veux dire Café Débat, comment est-ce que, à quel niveau, à quel degré, on est suivi sur Libre Opinion en dehors de la Guinée, par exemple en France? Vous savez, votre émission est une très bonne émission, franchement, qui est beaucoup admirée par les Guinéens de la diaspora. Parce que en Guinée, ici, le défaut, c'est que les télévisions et les radios font beaucoup d'efforts, mais ils ne sont pas sur Internet ou sur satellite, vous comprenez. Et la diaspora, elle a besoin. Et moi, une fois, quand j'ai diffusé votre émission sur mon site, beaucoup de gens m'ont appelé, ils ont téléphoné. Ah, mais que cette chaîne-là, Gangan Café Débat, c'est intéressant, aidez-nous pour qu'on puisse voir ça régulièrement, parce que nous, on entend les échos des fois, mais on n'avait jamais vu ça à l'antenne. Je dis, ok, c'est ainsi qu'on s'est contacté, on a créé l'alliance, et puis on diffuse régulièrement vos émissions. Donc vous-même, vous constatez, vous avez une visibilité maintenant, et votre émission est connue du côté de l'étranger. Parce que même si vous la publiez aujourd'hui, vous allez demain sur YouTube, vous la retrouvez, vous comprenez. Absolument. Et les gens, ils n'ont même pas besoin de chercher les articles. Ils viennent sur Internet, ils tapent le numéro, le nom, ou l'invité, ils retrouvent toutes les émissions. Bien. Donc ça, sur le plan de la visibilité, c'est une avancée significative. Ouais. Alors comment vous faites la différence
entre votre fonction de politique et l'information que vous donnez. Est-ce que à un moment donné, vous ne pouvez pas orienter l'information à votre faveur en tant que politique? Non, mais en défaveur de votre adversaire. En défaveur de votre adversaire politique. Il y a des déclarations que j'ai faites, je les passe sur mon site, je les envoie sur d'autres sites, ils le diffusent. Mais n'oubliez pas aussi, en France, je suis vice-président d'un parti. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que il s'appelle, en étant il s'appelle le New World Party. C'est un parti qui était même candidat à l'élection présidentielle de 2017. Mais malheureusement, on avait 280 parrainages et il nous fallait 500 pour être candidat. Mais on avait déjà déposé notre candidature. Mais il faut avoir 500 signatures de différents maires. Donc, vous savez, en France, 500 signatures, il faut soutenir toute la France, il faut que les maires ils acceptent. Même le Front National était en difficulté. C'est par rapport à beaucoup de prises de position qui a fait que certains maires ont accepté d'apposer leurs signatures pour parrainer le Front National. Sinon, même le Front National n'allait pas être dans la course. Là aussi, c'est une autre de vos casquettes. J'ai plusieurs casquettes et je les assume. Bien. En tout cas, ça semble lourd. Ouais. Merci en tout cas d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. À très bientôt pour un autre numéro. Merci à tous les téléspectateurs de Gangan et à bientôt. Bien, merci beaucoup. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.